Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CEMATV en bref. Chaque année, particulièrement lors de la Semaine de la sécurité ferroviaire qui se tient en septembre, la Ville de Montmagny se fait un devoir de promouvoir la sécurité ferroviaire au sein de la collectivité. En reconnaissance de son leadership et de son soutien, le CN lui a d'ailleurs récemment décerné un certificat honorifique, la désignant ambassadrice de la sécurité ferroviaire. La Fondation André Côté a récemment obtenu un financement de 27 742 $ pour son projet Bibliomobile grâce au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. La Bibliomobile a pour objectif de rendre accessible sur une plateforme numérique l'ensemble des ouvrages que la Fondation André Côté a acquis au cours des dernières années. Les ouvrages portent sur les cancers, les maladies incurables, l'alimentation, les proches aidants, l'aide médicale à mourir, les soins palliatifs. Des membres du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec ont mené mercredi des actions dans différentes régions du Québec pour réclamer un gel des loyers à la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau. Alors que les loyers explosent dans toute la province, il est urgent, selon le regroupement concerné, que des mesures gouvernementales soient mises en place pour contrôler les loyers afin de soulager les ménages locataires québécois, dont beaucoup s'appauvrissent très rapidement. Dans le cadre de la reprise des travaux parlementaires à Québec, l'Union des municipalités du Québec profite de l'occasion pour positionner ses priorités législatives et budgétaires pour les prochains mois, notamment en matière de fiscalité, d'aménagement, de transport et d'habitation. D'entrée de jeu, l'Union souligne l'importance que le gouvernement du Québec mette en œuvre rapidement ses engagements pris lors du sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec en septembre dernier. Et au sport, Ligue de hockey junior 3A, demain vendredi à 20h, l'Everest se rendra à l'aréna de Lévis pour faire face au Condor du Cégep Beauce-Appalaches en cadre du tournoi Atome de Lévis. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de cematv.